Et cet artiste, il est là, mais il est également là ce soir, parmi vous, quelque part, dans la foule, là où j'aurais dû être d'ailleurs. Et donc vous pouvez l'applaudir et je le remercie. Cette playlist est juste incroyable. C'est une playlist comme je les aime, très éclectique. Je parlais de pop culture, c'est exactement ça. Il y en aura pour tout le monde. Et puis surtout, il y a d'énormes chansons. Les chansons, c'est ce qu'il y a de plus important pour un artiste. C'est une rencontre avec l'artiste et avec un public. Donc ce soir, j'espère que vous allez passer une soirée extraordinaire avec de sacrées chansons et des artistes. Dans quelques instants, Dixie, Ezra, Mecha qui reprennent Vianney et Gims la même. Bonne soirée à tous! Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller, même les singes ont fait des sages et tous ces sages ont fait des cases où tous nous ranger. Hey, aïe, 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 aïe. Si je vous gêne, passez la même. Si je vous gêne, passez la même. Hey, aïe, 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 aïe. Si je vous gêne, passez la même. Si je vous gêne, des boîtes on y range les gens qu'au fond jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille boîtes, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré du mille mains. On peut aimer près les méguines, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans de petites cases. Je vise au jour le jour alors je zigzag. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le mal. Mecha, on les applaudit tous. Quelle journée incroyable. Deux jours incroyables. Deux journées incroyables. Vous n'arrêtez pas en fait. Hein. On n'arrête pas. Entre les répètes, Eddie De Preto qui est là aujourd'hui et qui nous partage son expérience, c'est incroyable. Cet après-midi, il y a une masterclass, on appelle ça les grands témoins. Ce sont les artistes qui viennent parler de leur expérience, de leur parcours. Il y avait Louane il y a quelques semaines. On a eu Slimane et d'autres, puis les acteurs de la filière musicale. Et cet après-midi, Eddie De Preto était là et parle en toute liberté de son parcours. Et je pense que c'est très inspirant, non ? Très, très... Enfin, on m'entend ? Oui, on t'entend bien. Bah oui, très inspirant. Voilà. Incroyable. Ils sont prêts pour les interviews. Bon,
Et je crois que pour toi, la journée n'est pas terminée. Alors vas-y, alors t'as un autre rendez-vous après. Oui, dans je pense une trentaine de minutes, je chante au stade au rugby. Donc merci. C'est la troisième mi-temps. Donc voilà, la troisième mi-temps. Donc dès que on a chanté, bah je m'en vais. Mais c'était un plaisir de vous voir. Bonne soirée à vous trois. On se retrouve tout à l'heure. Et une énorme chanson peut en cacher une autre. Là-bas, n'y va pas, Goldman. Vous allez retrouver Stéphanie, Théo Rode et Rosemarine et Camille Moore. Thank you.
Théo Rode, Rosemarine et Camille Moore. Alors c'est, pour moi, c'est vraiment incroyable de les voir aujourd'hui comme ça, prendre la scène. Certains avaient l'habitude, d'autres n'avaient pas du tout l'habitude. Pas du tout. Et au début, je parle de Camille, sur les premières scènes, c'était un défi aussi hein, de pouvoir, bah, tiens, tu veux Stéphanie donner le micro. Bonjour. Et aujourd'hui, comment tu abordes ça? Comment tu te dis, ok, dans ma semaine, je dois préparer une scène, et puis ce soir, je suis sur scène, et maintenant, je suis sur scène. Bah, il faut dire qu'il a fallu s'adapter rapidement. Donc du coup, c'est vrai que, franchement, c'est que du plaisir d'être sur scène. Moi, j'essaye de pas trop stresser, en tout cas, avant. Le stress me rattrape un petit peu après, mais j'essaye de positiver et généralement ça fonctionne. Et ça marche bien. Merci. Théo, toutes ces chansons et playlists, celle-ci est peut-être dans la tienne, elle peut représenter quoi? Est-ce que ça t'inspire, ces titres que vous reprenez ici, qui ne sont pas les vôtres? Comment toi tu les abordes aussi? Bah, c'est du Goldman déjà pour commencer, donc c'est de l'espoir, c'est des chansons incroyables, celle-là particulièrement, donc c'est une chance et un honneur de pouvoir partager ça tous ensemble ici ce soir quoi. Moi je veux me faire un petit plaisir, même un grand plaisir, c'est d'entendre Marine chanter The Best quelques secondes. Bah voilà, a cappella, allez viens, vous allez comprendre pourquoi. Et je vous raconterai pourquoi. Waouh, ok. On la note, hein. Vous êtes prêts? Vas-y. You're simply the best. Oh, better than all the rest. You're better than anyone. Anyone I ever met. Oh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Tears apart. Bah alors on peut l'applaudir. En fait, le Dalida Institute est ici à Aix-en-Provence, donc c'est un lieu incroyable que je vous invite à venir visiter quand il y a des journées portes ouvertes. Il y en a quelques-unes comme ça dans l'année. Et un jour, j'arrive dans une salle de répétition et je l'entends chanter ce titre-là. J'ai vu cette chanteuse dans une énergie folle et ça m'a rendu heureux pour la journée. Et là, ça me rend heureux pour la soirée. Bravo. Merci. Et puis Stéphanie a une histoire particulière. J'aime bien ces histoires-là quand je vous dis que ce sont des rencontres. C'est quand elle a démarré, elle est arrivée le premier jour au Dalida Institute. On lui a dit, ça c'est un ordinateur, c'est un Mac. Ça c'est une carte son, ça c'est un casque, ça c'est un micro et ça c'est un clavier. Et là elle dit, je fais quoi avec tout ça? Bah, tu vas apprendre à tout utiliser. Et notamment en MAO, je salue Will qui est là, entre autres, je crois, ce soir. Donc c'est la musique par ordinateur assisté et elle m'annonce il y a quelques jours en disant écoute, je vais changer de groupe et je vais aller dans le groupe des meilleurs. Donc comme quoi ça a fonctionné. Exactement. Bravo à vous tous, très belle soirée, merci encore. On continue de parcourir cette playlist, celle d'Edith Preto, bonne soirée. Et un titre que vous connaissez aussi, il était il y a quelques jours avec nous dans cette fameuse masterclass. Il était dans la salle également pour un starter, c'est un des autres rendez-vous du Dalida Institute. Voici Avant toi de Slimane Vita avec Satine, Odem, Roxane, Ayton. Il n'y avait pas d'image. Il n'y avait pas de couleur, il n'y avait pas d'histoire, mon âme sœur. Il n'y avait pas les fêtes, il n'y avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tourne pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais, l'amour, tu sais, la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, on m'a pas montré le chemin. Je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avant.
va poser les yeux sur toi, avant toi. On m'a pas montré le chemin. J'étais seul ici, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tourne pas rond. J'avais les mots, mais pas la chanson. Tu sais, l'amour de toutes les façons. Oui, c'est écrit, c'était dit. Oui, c'est la vie. Je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi, avant toi. On m'a pas montré le chemin. Le chemin avant toi, je n'avais rien avant toi, avant le chemin. Je sais, le ciel ne m'en veut pas d'avoir posé les yeux sur toi, avant toi. On m'a pas montré le chemin. Bravo. Satine, Odem, Roxane, Eitan. Ça, c'est un peu l'ambiance de l'école tous les jours. Chaque fois que vous arrivez au Dalida Institute, matin, midi et soir, ça chante de partout. Il y a des moments de grâce, même en plein milieu de journée, on est dans une réunion et au piano, d'un seul coup, on entend la magie d'une voix. Donc déjà, merci pour ça ce soir parce que c'était extraordinaire. Bravo à vous tous. Merci. C'est une reprise, mais... À l'école, depuis le début d'année, il se passe des choses un peu incroyables. Beaucoup arrivent sans savoir écrire ou composer. Et puis, ils sont impactés par d'autres qui, eux, écrivent et composent. C'est le cas d'Eitan. Eitan, on peut l'applaudir parce que... Depuis la rentrée... Merci. Tu as été vraiment un des artistes clés de l'école pour permettre de déclencher cette envie d'écrire, de composer. Donc comment ça s'est organisé? Comment d'un seul coup les gens se sont mis à l'écriture ou à la composition? Comment ont-ils trouvé cette confiance? Ton travail, les coachs, l'entourage? Non, je crois que ça a commencé avec les coachs surtout. Enfin déjà avec la simple envie d'être là, la simple envie d'avoir tenté cette aventure, quoi. Je pense qu'on arrive aussi avec plein d'envies, plein de bagages aussi quelque part derrière, des envies d'écrire, des envies de composer, des envies de montrer ce qu'on sait faire et montrer notre univers. Et ça passe aussi par sa propre histoire et ce qu'on a envie d'écrire. Et les coachs ont beaucoup joué là-dessus. Et après, évidemment, on s'est retrouvés aussi entre nous et à travers des connivences, etc. Quoi. Et toi qui chantes, il y a un album qui est sorti il y a peu de temps. Qui sort dans 2 semaines. Dans 2 semaines, avec des premiers titres, plutôt en anglais. Le fait de chanter et d'écrire aussi en français, c'est un peu dû à cette immersion au Dalida Institute? J'avais déjà commencé avant et maintenant je ne fais plus que ça. Donc oui, en partie. Bravo à vous quatre et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Ici, à l'école, je vous invite aussi à aller découvrir leur reprise Studio C, c'est sur notre chaîne YouTube. Là aussi, ce sont des covers, mais qui se sont réappropriés. Bonne soirée à vous quatre. Bonne soirée. Je vous demande d'accueillir
Flore, on parle peut-être du Roberto aussi, s'il vous plaît. Ouais, l'animateur des années 90. C'est notre merveille à chaque fois qu'il vient, il nous met l'ambiance tout le temps. Flore, Clem, Phoenix, Soli, pour une reprise de Diams, Ma France à moi. Ma France à moi, elle parle fort. Elle vit à bout de rêve. Elle vit en groupe, parle de blé. Elle déteste les règles, elle sèche les cours. Le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil. Souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui l'a fait danser sur les beats. Parfois elle kiffe un peu de rock, voici la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit. Mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations. Leurs PEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors, elle se démène et vend de la merde à des bourges. Mais la merde, ça ramène à nos mères un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît fainéante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Ma France à moi elle parle fort. Elle vit à bout de rêve. Elle parle fort. France à moi, elle parle en SMS. Travaille par MSN. Se réconcilie en mail. Se rencontre en MMS. Elle se déplace en skate. En scoot ou en bolide. Vas-y, Poli est un mythe et Zinedine sont synonymes. Elle vit à l'heure américaine. KFC, MTV, Base, Footlocker, McDo et 50 Cent. Elle, c'est des petits mecs qui jouent au basket. Papada qui rêve de Tony Parker. Sur le parquet des Spurs. Elle, c'est des petites meufs qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles. Ouais, ouais. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge. Avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde. Celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge. Avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et jamais de boost pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde parce qu'on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin d'espoir et de temps pour évacuer. Elle va au bout de ses rêves au risque de se tuer. Mais ma France à moi, au moins elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit. Elle refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. France à moi, c'est pas la leur. Celle qui vote extrême, celle qui bannit les jeunes anti-rap sur la FM. Celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes. Celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante. Celle qui regarde Julie Lescaut et regrette le temps des choristes. Celle qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi, c'est pas la leur qui fait ce Beaujolais. Et qui prétend s'être fait baiser par l'arrivée des immigrés. Celle qui fout le samedi, mais mon enfant, on l'a trouvée. Celle qui prend des masques, mais ouais, on l'a appelée. Celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail. Celle qui se gratte les couilles à ta mort, on l'a mangera. Ma France à moi, elle parle fort. Flore, Clem, Phoenix, Soli, on les applaudit très fort. Quelle playlist que celle d'Edith Préto, Flore, sur un titre comme celui-ci. 2008, t'étais pas née, non? Si? À peine? Bon, tiens, prends le micro. Ça faisait pas longtemps, mais quand même, ça faisait 5 ans. Ah bon, voilà. Alors, comment ça marche, en fait, quand on reçoit une playlist, celle d'Edith Préto, par exemple? Nos artistes n'ont pas choisi leur chanson, on a décidé de choisir pour eux. Donc là, généralement, ils sont un peu crispés, puisqu'ils vont découvrir la chanson qu'ils vont devoir interpréter. Moi, j'imagine la tête de Flore quand elle a vu que c'était un titre plutôt rappé que chanté. C'est pas du tout ton univers. Alors, comment t'as travaillé ça? Au début, c'était assez compliqué, c'est vrai, parce que c'est pas du tout ma zone de confort, c'est pas forcément celle de Clem non plus. On n'était pas forcément très très familiers au début. Puis au final, on s'est quand même plus ou moins approprié la chanson. On a essayé de changer les accords quelque part, de rajouter des petites choses, comme vous avez entendu. Et donc finalement, elle nous ressemblait assez, je trouve. Flore compose, écrit, et on vit quelque chose d'assez exceptionnel à l'école. Elle travaille en ce moment avec 4 autres de nos artistes, de ses camarades, avec Corneille. Ils seront tous en studio la semaine prochaine pour travailler sur un titre qu'on a présenté il y a quelques jours ici. Cordialement, tu peux en parler. Il n'y a jamais une mauvaise occasion pour en parler.
Et du coup, il y a deux semaines, on a joué pour la première fois un titre qui s'appelle Cœur en diamant et qui a été composé suite à une conversation que j'ai eue avec Roberto. Il m'a parlé de l'histoire du petit Lucas de 13 ans qui s'est donné la mort parce qu'il était harcelé à l'école à cause de son homosexualité. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. J'ai composé une chanson et j'ai formé un collectif qui s'appelle Fragments, qui est composé de Ninon, Djibril, Hugo et Satine, que vous allez voir au fur et à mesure de la soirée. Et en fait, on a créé quelque chose de très fort autour de cette chanson et de ce projet. Et là, il est en train de naître au fur et à mesure. On est parti d'un piano-voix, mais là, on a Corneille. C'est une chance incroyable qui est en train de travailler sur l'instru derrière. Donc, on a une chance de fou et on va vraiment en profiter. On travaille beaucoup et on va essayer de faire quelque chose de beau qui rend un hommage à Lucas. Et le harcèlement scolaire, ça concerne tout le monde. Celui des premières scènes, ça aussi, c'était pour nous tous à l'école, quand on a appris que tu allais tenter ta chance pour être dans un festival et pas n'importe lequel, et que tu as passé les étapes les unes après les autres, et tu vas jouer dans ce festival. Ouais. Tu peux en parler ? C'est le Delta Festival, du coup. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un festival à Marseille sur la plage. Et c'est un énorme festival où il va y avoir beaucoup de têtes d'affiche et moi je vais avoir la chance de pouvoir jouer sur la petite scène à côté d'eux, donc c'est incroyable. Vous serez là ? Voilà. N'hésitez pas, c'est fin août, sur la plage, ça va être trop bien. Phoenix, un clip en préparation que tu as fait toi-même. Exactement, oui, c'est ça. T'as vu, hein, j'ai toutes les infos, ouais, c'est fou. Même moi, je suis étonné. Et oui, ben voilà, c'est aussi par rapport au harcèlement. Mon petit frère qui a vécu le harcèlement au lycée, du coup, ça m'a inspiré à écrire une chanson qui va bientôt sortir aussi. Et j'ai fait le clip, et d'ailleurs, tous les gens du Dalida sont dedans, enfin, ceux qui ont pu participer, bien sûr. Mais le cœur y était, et franchement, voilà, ça va être un clip magnifique avec une chanson aussi très, très belle qui va, j'espère, pouvoir ouvrir les consciences par rapport à ce sujet-là qui est malheureusement tabou encore. Et voilà. Bravo. Donc, la preuve encore avec... Et Clem, une boule d'énergie. Qui doit être super stressée parce que logiquement elle est déjà sur scène pour la troisième mi-temps, c'est ça ? C'est ça. Voilà. C'est ça, bon, un petit peu de retard. C'est pas... Alors justement, parle-nous deux secondes de ces expériences sur scène, entre celle-ci de ce soir, les startés ou les troisièmes mi-temps, ou tout ce qui se prépare. Ça aussi, c'est un plus maintenant, ce goût de la scène, que ce soit régulier comme ça. Tu me réponds non, je suis mal. Hein. Tu m'étonnes. Non, c'est clairement un plus, c'est trop bien, on prend de plus en plus confiance, on avance, en plus quand on fait des morceaux comme ça tous ensemble, c'est de la préparation, une fois qu'on est sur scène, on sait que c'est la dernière fois qu'on va la faire, et le rugby c'est pareil, c'est une ambiance avec les musiciens, le public, non c'est trop bien, plus on en fait, plus on a envie que ça reste à vie. Bravo, bravo à vous. Merci beaucoup à toi Roberto, merci au coach. Alors après Diams... This is... Non mais là t'étais pas née. Non je crois pas, là pour le coup vraiment pas. Mais c'est quand même un morceau que j'ai appris à connaître grâce au groupe. Retiens le beau, retiens le vrai, retiens le sublime. C'est un des titres choisis par Edith Preto avec Hugo, Veilé, Frowen et Eugy. On avait dit le pire, mais aussi le meilleur. Maintenant tu soupires, et à moins de meilleur. Toutes nos habitudes, et ces mouvements d'humeur. Tous ces petits calculs, puis toutes ces petites peurs. Ces coups dans le dos, ces choses cachées. Du coup c'est moins beau et t'es parti fâché. Parce que j'ai changé, tu veux me punir. Je vais pas me venger, je veux juste me souvenir. Qu'on était sublime, sublime. Pauvre effort, on était sublime. Je t'en supplie, je t'en supplie. Retiens le beau, le vrai, le sublime. Les gens qui t'aiment pas te feront payer. Le courage d'être toi ou celui d'essayer. Avec perte et fracas, j'ai dû tout changer. Je suis devenue moi car j'étais en danger. La folie aux trousses, la tristesse à renfort. C'est l'amour que je course, mon cœur crie fort. Je veux du sublime, du sublime. Du beau, du vrai, du pur, du sublime. Je t'en supplie, je t'en supplie. Retiens le beau, le vrai, le sublime. Loin du mensonge,
mensonge. Moi, tu mesquins. Derrière les ondes, j'essaie de faire bien. Je le jure. Sur ce que j'ai de plus cher, sur ce qu'on a de plus vrai. Un enfant ou une mère, aujourd'hui je suis prêt pour le sublime. Le sublime. J'aime quand le ciel est mauve le soir et s'accorde avec ma peine pastel. J'ai tout un tas de causes en moi, mais je n'ai aucune excuse pour elle. Je veux du sublime, du sublime, du beau, du vrai, du pur, du sublime. Je t'en supplie, je t'en supplie. Retiens le beau, le vrai, le sublime. Je veux du sublime. Du vrai, du pur, du sublime. Je t'en supplie, je t'en supplie. Retiens le beau, le vrai, le sublime. Je veux du sublime, du sublime. Du beau, du vrai, du pur, du sublime. Je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je vous demande d'applaudir Hugo, Wiley, Frowen et Eugy, bravo. Vous êtes magnifiques, ils sont magnifiques. Bravo encore, applaudissez-les. Tiens, t'es bien placé toi, tout de suite à côté de moi. Bon. Il semblerait. Est-ce que tu connaissais ce titre de This Is? Ouais, j'ai écouté l'album quand il est sorti, donc il y a un petit moment maintenant, et ça m'a fait vraiment plaisir de le retrouver pour chanter avec mes petits camarades avec qui ça s'est très bien passé. C'est la première fois que tu chantais ce genre de musique ou Ouais, totalement. Moi, je fais plus de la pop un peu plus mainstream, voilà. Mais du coup, c'est chouette de mixer un peu les univers et de se retrouver sur autre chose. C'est sympa aussi. Toi, tu chantes du This Is tout le temps? Pas du tout. Voilà. Pas du tout, du tout. Mais je le connais, puisque j'ai 31 ans. Mais magnifique, magnifique. Merci. C'est quoi la carrière idéale pour toi aujourd'hui? À 31 ans, bah, tout est devant toi. Bah oui. Ce passage à l'école, la suite, c'est quoi? Beaucoup d'opportunités, parce qu'on a beaucoup d'opportunités au Dalida Institute. Je me suis révélée complètement dans cette école à travers l'écriture et l'acting. Et j'ai eu beaucoup de chance d'intégrer une petite troupe de théâtre. Et je pense que j'ai envie de me tourner vers la comédie musicale. Ah ! Ouais, vraiment, vers la comédie musicale et l'écriture pour moi et pour les autres. L'année prochaine, au Dalida Institute, on ouvre une section comédie musicale un peu unique. Notre idée, c'était de pouvoir apprendre ce métier comme nous, on le produit, donc vraiment dans un environnement très concret de la comédie musicale, en apprenant également des classiques, donc ça, c'est le côté Broadway, West End, et puis la comédie musicale comme on l'a aujourd'hui dans les grandes salles ou les petites salles en France. Donc bah, rendez-vous l'année prochaine. Hein. Avec plaisir. Voilà. Il y a un autre rendez-vous dimanche, tu peux en parler. Je parlais tout à l'heure du Studio C. Oui, dimanche, je sors... À voir absolument. Je sors mon Studio C avec mes camarades Antoine, Anna et aussi Flore, que vous avez vu juste avant. Et c'est sur une chanson magnifique qui s'appelle Mortel. Et je vous invite à aller le regarder sur le YouTube de la Dalida Institute. Et sur tous vos réseaux. D'ailleurs, ce soir, n'hésitez pas à nous taguer, à faire des photos, à les poster, Dalida Institute. Eugy, elle a une énorme qualité. Une, elle en a plein. Elle est savoyarde comme moi, donc déjà, c'est ça. Oui. Tu vois, dans les années 90, tu aurais pu m'écouter à Saint-Jean-de-Maurienne, tu vois, mais bon, trop tard. Ou trop tôt. Ah, je reconnais une voix. Et donc, toi, typiquement, l'école, depuis que tu as commencé, ce que tu faisais avant, puisque tu as fait pas mal de clips, 4, 5, 6 clips. Oui, c'est ça. Oui, j'avais déjà fait des clips. Comment on décide de rejoindre comme ça une école alors que tu enchaînes les productions, tu avais peut-être une vision déjà de ta carrière? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir nous rejoindre, nous? Aziz, je suis bien placée parce qu'il m'engueule depuis tout à l'heure. Ce qui m'a motivée en fait, c'était de pouvoir déjà rencontrer des personnes avec qui collaborer, rencontrer aussi des coachs. Qui sont là, on peut les applaudir, là, oui. Ils font un boulot extraordinaire. Pas d'école sans eux.
Et aussi, surtout, la composition, l'écriture, parce que bah, du coup, j'écrivais, j'ai composé déjà avant le Dalida, mais c'est en ce moment que je trouve vraiment mon style et que ça se concrétise. Donc, voilà. Bravo. Moi, je pense que le meilleur est devant et rapidement. Hugo. Bonsoir. Il chante, il rappe, il slam. Ouais. C'est vrai, tout ça. Donc, tu vas faire quel choix en fait? Tu sais un peu vers quoi tu vas aller? Ben, mon but, c'est de, à travers mon univers musical, de pouvoir créer une musique, une musicalité qui mêle le rap au chant. Donc, c'est-à-dire, pourquoi pas créer des musiques où on y retrouve des couplets rappés avec des refrains plus chantés, où je peux mettre ma voix en valeur, ou pourquoi pas même faire l'inverse, des couplets chantés avec un refrain rappé. Pourquoi pas, voilà. Moi, je vous souhaite de faire la même carrière que Rosalia. Pourquoi je parle de Rosalia? Parce qu'elle fait partie de cette sélection d'Edith Preto. Elle a commencé dans une école en Espagne, une école de chant, de musique. Et puis, on connaît la suite. Je vous demande d'accueillir Andri, Noah, Victoria, Enzo pour une reprise de Rosalia, Hentai. Merci beaucoup. Papé, no mírate, no pienses más. Na que pensar, tan rico no puede ser de cuero na, pero estoy en cuera. Te quiero ride como a mi bike, hazme un tape modo spike. Yo la batí hasta que se montó. Segundo es chingarte, lo primero Dios. So, 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 so good, good. Como que tiene un diamante la punta, siempre me pone por delante de esas putas. So, 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 so good. Enzo, Victoria, Noah, Andri. Alors, il paraît que je ne peux pas dépasser cette zone-là. Venez à moi, je me fais engueuler par Aziz. On peut applaudir Aziz, qui depuis tout à l'heure s'arrache tous ses cheveux, et il en a beaucoup. Et dites-moi, parce que depuis tout à l'heure, j'ai raconté une histoire, mais pour vous, ça ne doit pas être vrai, en fait. J'ai menti un peu. Je pense que cette chanson, on l'a quand même confiée à des gens qui parlaient et chantaient en espagnol. Alors, je ne suis pas le spécialiste de l'espagnolisme. Ça ne s'entend pas. C'était plutôt pas mal. On va dire que je me débrouille et que ça fait partie aussi beaucoup de mes influences musicales, c'est clair. Après, si on a une spécialiste de l'espagnol ici, ça va être Noah. Hein. Ouh, alors, comment on a fait travailler ses camarades? Je les ai tapés très fort. Ah, ça se passe comme ça, encore dans la musique. Non, ils ont fait un boulot de dingue. Ils n'ont même pas eu besoin de moi, réellement. Ils ont juste fait appel à leur
oreille, ils ont simplement écouté et puis ils ont cherché aussi à comprendre comment on disait les mots, etc. Et ils se sont débrouillés tout seuls incroyablement bien. Alors Victoria, comment, quand on travaille avec au Dalida Institute, avec les coachs, comment justement on travaille ce genre de répertoire? On peut aussi expliquer que nos coachs ont tous des spécialités, ils ne font pas tous la même chose. Oui, effectivement. Après, on a travaillé surtout l'espagnol avec Alexandre, qui est ben, espagnol. Quel courage vous avez. C'est vrai, j'avoue. Vous pouvez l'applaudir, il doit être là. Je pense que je vais faire attention en récupérant ma voiture tout à l'heure. Non, c'est un super coach. Et on nous aide pour la prononciation, pour l'intention, les nuances. On a travaillé beaucoup les harmonies. Et non, on a des super coachs qui nous apportent chacun quelque chose. Et à la fin, ça donne un rendu comme ça, quoi. Donc hyper pro. Et non, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Andri, alors, je vais vous donner son prénom, c'est Meryl. Comment on choisit son nom d'artiste ? Ah, mais ça a été un peu compliqué pour moi. Oui, effectivement, mon prénom, c'est Meryl, mais il y a déjà une personne... Ça sonne déjà comme un prénom d'artiste. Carrément, hein. Mais il y a déjà une rappeuse qui est super douée, que je vous conseille d'écouter, qui s'appelle Meryl déjà. Donc j'étais là genre, ah, elle m'a un peu volé mon prénom, c'est OK, tu vois. Du coup, j'ai pris mon nom de famille, qui est Andrieux, et j'en ai fait genre une sorte de petit prénom, et je me suis dit, voilà, Andri, ça vient de là. Ben, ça sonne bien. Merci, Robert. Belle soirée à vous tous, vous avez envie de bouger? Il y a de quoi bouger dans la playlist d'Edith Preto. Dans quelques instants, Ali, Latika, Flomaté, Ashkin pour Begin, reprise par Maneskin, et c'est un titre de Madcon. Bonne soirée à vous tous. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm but the plan I see, just let me go. I'm on my knees, but I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah, da, 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 da. I'm begging, begging you, so put your loving hand out, baby. I'm begging, begging, begging you, so put your loving hand out, darling. I need you to understand, try so hard to be baby, I'm begging you, so put your love.
Ali, Latika, Flo Maté, Ashkin. Alors, est-ce que cette playlist vous plaît? 1, 2, voilà. On t'entend. Et toi, on t'entend bien. Quand tu chantes, on t'entend bien. Merci. La playlist est d'Adieu Préto, une pépite. On peut le remercier, il est là parmi nous. Merci beaucoup. Pour ce cadeau, pour cette magnifique sélection. On s'est éclaté à travailler sur ce titre, autant lors des sessions de coaching au Dalida, que juste entre nous, que cet après-midi aux répétitions. Franchement, c'est l'éclate. Et cette masterclass tout à l'heure avec lui, quand on passe 2 heures comme ça avec un artiste qui a ce parcours, 2017 aujourd'hui, donc tout s'est joué très très rapidement pour lui. Quand il raconte ça, comment ça va t'inspirer? Qu'est-ce que tu puises dans le témoignage? Alors, les années de galère qu'il y a eu avant 2017, ça a été autant pour lui que pour les autres artistes qu'on a eu au Dalida, comme Slimane ou Louane. Il y a une grosse période de galère, 6 ans, je crois, pour Eddie, si je dis pas de bêtises. Ça nous dit que faut surtout être patient et que quoi qu'il arrive, si vraiment on y croit, on y arrivera. Alors justement, Ali, toi, tu y crois, puisque tu t'as fait ce choix-là. Donc, tu faisais quoi juste avant de faire ton casting et ton audition pour nous rejoindre? Et qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui a changé chez toi? T'as envie d'exploiter, et c'est quoi la vision, c'est quoi l'envie, c'est quoi le désir après l'école? Ça arrive vite, c'est dans 2 mois. Là, on pleure généralement quand je dis ça, mais... Ouais, ça passe très très vite. Avant d'être au Dalida, j'étais dans une école type conservatoire, très classique, donc ça m'a beaucoup changé d'être au Dalida, c'était beaucoup plus fun, on va dire. Et le Dalida... C'est sérieux quand même, hein, fun, oui, et sérieux. Oui, mais c'est... Voilà. Et le Dalida, ça m'a permis d'écrire mes premières chansons. J'ai pu préparer le début de mon EP que je compte sortir du coup en sortant du Dalida. J'ai pas encore la date, mais. Voilà. Et notamment une chanson que tu as présentée au Starté. Oui. Il y a quelques temps. Tu fais quelques notes du refrain. C'est une très belle chanson. C'est vache hein, ce que je fais là, mais bon. Ne m'attendez pas, je me suis envolée. Mes doutes, mes tracas, j'ai tout mis de côté. Je suis ce petit soldat à l'armure abîmée. À la fin de ce combat, je me suis relevé. Bravo. Ce qui est extraordinaire dans cette école, c'est un peu comme dans les troupes de comédie musicale, et je connais bien le sujet, c'est la diversité des gens qui viennent de tout univers, de d'autres pays, d'autres cultures. C'est ton cas, Ashkin. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Et tout de suite, quand on s'est rencontrés, on a parlé de ses origines arméniennes, et on a eu la chance... à l'école ou dans nos concerts de t'entendre chanter en arménien des titres qui comptent pour toi. Et tu sais ce que je vais te demander? Chanter un refrain, chanter un refrain de ces chansons que tu chantes pour nous quand on est ensemble. Merci. Latika, toi t'es arrivé en cours de route, comme quoi il est jamais trop tard pour bien faire. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Tu faisais quoi juste avant? On t'a vu débouler un jour, alors que tout avait déjà commencé, quelques semaines ou quelques mois après. Qu'est-ce qui a fait que tu nous as rejoints? Et que va-t-il se passer juste après l'école? Alors, à la base, effectivement, j'étais psychologue clinicienne. Ouf. Dans un EHPAD. Et en elle a du travail à plein temps chez nous. Et je faisais déjà beaucoup de scènes, mais avec des orchestres. Et j'avais vraiment ce rêve depuis toujours de faire une école de ce genre-là. Et quand j'ai été appelée, je me suis dit, il faut saisir cette chance. Et du coup, depuis plusieurs mois, du coup, je continue mon album. J'avais commencé un petit peu mon album et ça m'a permis de bien avancer sur la création, avec aussi le soutien de tous les autres élèves, de tous les coachs, de toutes les personnes qui nous entourent. Et ça m'a permis là, de finir quasiment mon album. Donc à l'issue de l'école, j'aimerais le monter, pouvoir faire peut-être des festivals, faire de la scène, avoir mon propre groupe de musique. On croise les doigts pour toi. Ouais. Merci à vous quatre. Merci.
On continue à voyager dans cette playlist incroyable. C'est comme quand on prend l'avion ou le train. On a sa playlist, on se laisse embarquer, on découvre des titres. Et le titre qui suit est interprété par une artiste qui est pas si loin d'Edith Preto, c'est le même univers, une artiste importante pour moi. Rien dire de Christine and the Queen, interprétée par Eliana, Jadlami, Lorty, Elise et Anima. L'amour est volatile. On parle de tomber amoureux, car lorsque ce phénomène se présente à nous, notre regard est braqué vers les étoiles. Mais au final, n'est-ce pas ironique de parler de chute quand on vise le septième ciel? De parler d'aveuglement quand tout devient clair? L'amour est éphémère. Lorsqu'on arrive à la fin de la chute, que reste-t-il? Si je ne suis pas toujours dans tes bras, il me semble que tu marches à côté de moi. Mes gestes ont pris la couleur de tes mouvements, et j'y pense tout le temps malgré moi. Oh, on s'apprend, oh, on s'attend, oh, on se rend et sans jamais rien dire. Oh, on s'entraîne. À deux. As-tu peur toi aussi de tomber amoureux? Et tous ces endroits où je pensais n'être pas, et maintenant m'y voilà avec toi. Oh, on s'apprend. Oh, on s'attend. Oh, on se rend et sans jamais rien dire. Oh, on s'entraîne. Oh, ta dégaine. Jamais rien dit. Eliana, Jadlami, Lorty, Elise, Anima, on les applaudit très fortement. Alors, une vidéo, donc ce qui veut dire que bon, vous avez décidé d'aller un peu plus loin, il n'y a pas que la chanson, ok, on va créer autre chose, on arrive avec un univers. Comment vous avez travaillé tout ça? Ouais, le but c'était de créer vraiment un tableau et d'emmener aussi les gens vers un autre univers. Pas simplement se focaliser sur la voix, mais aussi sur l'atmosphère, le ressenti, l'histoire et le message de la chanson aussi. Pour nous, on a décidé d'essayer de l'illustrer
raconter un peu l'histoire de ce deuil, d'un amour perdu. Et on s'est dit que le faire plutôt d'une façon symbolique, plutôt que, on va dire, terre à terre, entre guillemets, nous paraissait une façon intéressante de pouvoir aborder la chose. Donc voilà, on s'est proposé ce tableau et puis on l'a aussi co-réalisé avec Ambre du Dalida Institute. Bravo, bravo Ambre. Aliana, Céline, de son vrai prénom. Cette recherche d'univers, ça c'est quelque chose dont vous entendez parler depuis le début, qui on est, où on veut aller. Donc depuis ces quelques semaines, ces quelques mois au Dalida Institute, est-ce que tu commences à avoir tes réponses ? Ouais, totalement. Totalement, je me trouve personnellement et puis aussi professionnellement, je sais ce que je veux, où je veux aller. Anima, être avec les autres, travailler avec les autres, être confronté avec des gens qui justement ne viennent pas du même univers, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour toi. Alors oui et non, parce que j'ai toujours été un peu baigné dans la musique, donc j'ai rencontré pas mal de gens. Et j'aime beaucoup le partage, surtout dans la musique, parce que je trouve ça primordial en vrai. C'est du partage avant tout. Et justement, c'est des belles choses qui se passent et ça permet d'en apprendre beaucoup et d'évoluer surtout. Tout ce mélange. L'artiste, cet univers de Christine and the Queen, est-ce que ça te parle ? Je sais que tu aimes bien chanter aussi en anglais. Est-ce que travailler en français, c'est quelque chose qui est important pour toi ? Quand on t'a proposé cette chanson, qu'est-ce que tu t'es dit ? Ça peut être cash, hein. Attention, je vous préviens tout de suite. Même pas vrai. si, de ouf. Christine, je connaissais genre deux chansons grand max et je pourrais même pas les citer, c'est peut-être un mensonge. Mais je connaissais l'univers en tout cas et j'aimais bien. J'ai commencé à chanter en français à l'arrivée au Dalida. Parce que chanter en français, ça veut aussi dire que tout le monde peut comprendre du premier coup. Et ne plus avoir de filtre, enfin j'en ai pas beaucoup, mais sur ses émotions en tout cas. Je confirme, mais je confirme totalement. Et du coup, déjà le Dalida ça m'a apporté pour ça, et là la chanson, l'univers, je suis trop contente, on a tout retapé. Genre c'est trop bien, j'ai l'impression, tu sais quand tu reconstruis une maison, j'étais trop fière d'arriver dans ta salle de bain toute neuve alors qu'elle était hyper vieillotte. Enfin je sais pas, j'aime trop. Franchement je suis trop fan de ce qu'on a fait et de l'univers qu'on a créé autour de ça. Et que ce soit du français, c'est encore mieux parce que je crois que je suis vraiment en train de tomber amoureuse de ma langue. Bravo, on peut les applaudir. Jade, à quelques semaines de la fin de cette année, où vous êtes en immersion totale, vous êtes vraiment sur vos projets perso, vous commencez à avancer, les premières chansons arrivent, les compos. Le fait de chanter avec d'autres, d'avoir ces rendez-vous comme ceci, ça provoque quoi chez toi ? De chanter avec d'autres ? Avec les autres. Ah bah c'est toujours un énorme plaisir, surtout avec vous, hein, merci beaucoup. Et ouais, c'est ça, le partage, le fait de faire des deuxièmes voix, il y a vraiment une connexion qui se crée, et moi c'est ce que je kiffe dans la musique, donc un vrai plaisir. Le plaisir d'une playlist vraiment totalement éclectique. Quand j'ai vu le nom de cet artiste, j'ai dit, enfin, il arrive, quelqu'un pense à lui. Et je sais que cet artiste a pas mal influencé aussi cet univers-là, Edith Preto. Ce soir, Thinking About You de Frank Ocean par Maryse, Theo, Keating et Sarah Le. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess I made, it usually doesn't rain. Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boiling, boiling. Ooh, no, no, no. I've been thinking about you, you, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about this year? Do you, do you? I do you not think so far ahead? Cause I've been thinking about forever. Couldn't say you an idiot. To think I don't love you, I just thought
thought you were cute, that's why I kissed you. Gotta fight a jet, I don't get to fly it, though I'm lying down thinking about you. Oh no, 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 I've been thinking about you. You know, no, no, been thinking about you. Do you think about me still? Do ya, do ya, or do you not? Of course, I remember. How could I forget how you feel? You know you were my first time, a new face. It will never get old. Not in my soul, not in my spirit. Keep it alive. Keep it alive. We go down this road, did it done. We call and run you out. Or do you not think so far? Maryse, Théo, Kitim, Sarah, bravo. Merci. Bravo à tous. Bon, généralement, quand elle me voit, elle m'engueule. Donc, je ne sais pas si Maryse va m'engueuler tout de suite ou pas. C'était le cas tout à l'heure. Bah, viens, tiens, regarde. Ah, super. Ravie. Quel chemin parcouru quand même, hein. C'est fou, hein. Depuis le premier jour. Ah où, là, je vomissais avant de venir. Non, mais c'était vraiment ça. C'était un spectacle horrible. Et là, j'étais derrière, je dansais comme ça avec Arthur. Un peu comme dans une louange, pour ceux qui comprennent. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé durant tous ces mois ici? Comment, justement, tu n'as plus ces appréhensions-là, ou tu gères un peu ce trac qui fait que tu te transformes aujourd'hui et repéré, notamment grâce à tes chansons, dont celle que tu as interprétée au Starté. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, je les ai toujours, mais effectivement, je les gère un peu mieux. Ça dépend, mais bah, la confiance, je pense, tous les coachings, c'est un travail sur soi. Puis j'ai tellement appris à l'école des coachs, des élèves, beaucoup aussi. Donc, ouais, l'apprentissage. Hein. Qui va m'engueuler l'année prochaine? C'est pas possible, bah, il faudrait que tu m'appelles de temps moi. En temps. Ouais, toujours. Ça sera ton réveil. Merci. On peut l'applaudir. Théo, alors. Bonsoir. Toi, tu aides tout le monde. C'est-à-dire que quand il y a une petite impasse sur une prod, quand il faut la faire évoluer, quand il faut la travailler, quand il faut rapprocher, je ne sais pas quoi, rapporter un peu de modernité, tout ça, on sait qui on va voir dans l'école. Est-ce que tu aimes bien ce rôle-là? Tu es un grand interprète, tu chantes comme personne, mais le fait de travailler à ses compos, d'aller bidouiller les prods, ça te plaît beaucoup aussi? Ouais, c'est quelque chose que j'ai vraiment redécouvert au Dalida. Et le fait de travailler avec plein d'autres artistes et d'avoir du coup plein de projets différents sur lesquels naviguer, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et c'est vrai que je m'amuse énormément à composer et à faire de la prod, ouais, sur les projets des copains. Et bientôt les premiers titres et quelques surprises. Et quelques surprises, voilà. Ouais, on travaille. Bravo, bravo Théo. Merci beaucoup. Si vous voulez venir jouer du piano au Dalida Institute, le piano dans l'entrée, ne venez pas parce qu'il est tout le temps dessus. Donc c'est simple, du matin, midi, au soir. Et de temps en temps, on reçoit, c'était le cas cette semaine pour moi, une petite vidéo avec une nouvelle compo, une nouvelle chanson. C'est Kitim, ça va Kitim? Ça va très bien, je suis très content d'être ici. C'est un rêve qui se réalise depuis plusieurs mois et je ne m'en remets toujours pas. Et pourtant, tu es bien là. Hein. Regardez, applaudissez-le pour que... Merci, merci, merci. Sarah, la timidité, on en a parlé un peu, hein. Un peu.
c'est compliqué de... Alors, elle chante comme personne, elle a des titres incroyables qu'elle ose maintenant nous présenter. Et justement, comme je le disais tout à l'heure à Maryse, le fait d'aller plus loin, de se mettre en scène, de se présenter au public, de ne pas fuir, se cacher. Je pense que c'est le travail, c'est l'apprentissage, c'est le travail de fond. On apprend à se connaître, à connaître ses limites. Et du coup, on a pas peur de ce qui peut arriver parce qu'on a travaillé dessus normalement. Mais je vais mentir si je dis que je suis pas stressée là actuellement. Un peu, ça se voit dans son regard. Mais bon, on y travaille. Edith Préto, il était tout à l'heure avec vous en cours. Donc là, depuis quelques semaines, les intervenants arrivent. Il y a des gens du métier, de la filière, des patrons de labels, des DA, des managers, des gens qui travaillent en radio, qui vous expliquent comment ça se passe à l'extérieur. Ça, c'est un point important parce qu'il y a ce petit côté en immersion, mais on vous parle de l'extérieur tout le temps. Donc la première étape pour toi, tout de suite en sortant, ça va être quoi ? J'espère avoir trouvé une équipe. Que ce soit manager, même pour aider à composer, à écrire, même si je le fais toute seule. Et je pense que ce sera ça, et avoir mon intermittence. Ben c'est tout ce qu'on vous souhaite, à vous tous. Il y a une chanson, vous pouvez les applaudir. Quand vous faites des castings, moi j'en fais beaucoup, et depuis des années, il y a tout le temps une artiste et une chanson qui arrive et d'un seul coup, vous l'entendez 20 fois, 30 fois dans les castings. C'est le cas de Cor d'Iseult qui va être repris ici par Léa Djebril, Léna et Asmik. Depuis des années, la main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y'a pas de place pour les feux, y'a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol. Faut pas déconner. J'ai ces bruits dans ma tête. J'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh, j'ouvre un peu les yeux. Des couleurs de photos me reviennent. Oh, tous ces bruits dans ma tête. Faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. Où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne. J'en ai que faire. Qui sont-ils pour me juger? Un pardon à mon père. Insolente je l'étais. Dans les yeux de mon frère. Ouais, des claques s'en est bouffé. Sur les joues de ma mort, des rivières se sont écoulées. Oh, j'ai ce bruit dans ma tête, j'aimerais que ça cesse, mais en vain. Oh, j'ouvre un peu les yeux, les couleurs des photos me reviennent. Oh, tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête. De ma maison, quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison.
hey, yeah. Hey, 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 hey, yeah. De ma maison. Quoi qu'il advienne, je retrouverai le clé de la raison. J'ai peur de la terre. Quoi qu'il advienne, je retrouverai le clé de la raison. Asmik, Léna, Djibril et Léa. Mon Dieu que c'était beau, on peut encore les applaudir. J'ai même du mal à passer après. J'espère que Isolde tombera sur cette version-là, de voir à quel point cette chanson extraordinaire du patrimoine aujourd'hui, c'est un classique, se transmet. Donc bravo pour ça déjà, je suis très très ému. Et cette chanson, vous l'aimez particulièrement tous. Il se passe quelque chose autour de ce titre-là. Ouais, carrément. Je pense qu'on peut tous s'identifier à l'acceptation de son corps. Je pense que c'est quelque chose qu'on traverse tous, l'acceptation de soi, le regard des autres. Donc c'était un plaisir en tout cas de pouvoir le partager avec ces magnifiques artistes. Bravo, c'est vraiment beau. Djibril, s'affirmer, dire qui on est, aller jusqu'au bout, voilà qui je suis, c'est en gros ce que tu racontais. Elle raconte ça, cette chanson, et elle te touche particulièrement. Totalement. Bah, l'identité, ça fait partie de ma vie, et ça fera partie de ma vie encore... tout le temps, et c'est vrai que c'est une longue quête, et c'est vrai que ça a fait du bien de pouvoir chanter ça avec mes camarades que j'adore. Quelle voix incroyable. Merci. Toi aussi, il a fallu passer ce cap pour aller à la rencontre du public. Tu te posais beaucoup de questions. Je vais où? Comment je vais m'y prendre? Est-ce que j'ai la bonne chanson? Aujourd'hui, tu en es où? C'est encore un gros travail sur moi-même que je dois faire, mais grâce au Dalida, je m'améliore de jour en jour. Et ça, je remercie du coup tout le monde pour ça, tout le Dalida. Arthur était derrière avec moi, il vous écoutait, il vous a suivi pendant ces deux jours, il était extrêmement fier. Ces coachs-là, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous ces coachs? Il faut vraiment les applaudir parce qu'on a, un encadrement dans cette école. Qu'est-ce que toi, tu auras envie de leur dire aujourd'hui? Franchement, merci, je leur fais tellement de bisous, genre, je les aime d'amour. Ils sont incroyables et ils nous ont appris énormément. Tu as découvert des trucs sur ta voix que tu ne connaissais pas, sur la maîtrise, sur... Le growl. Ah, ça a l'air d'une maladie grave, mais je pense qu'il y a une explication. C'est quoi exactement? Merci Pascal. Comment expliquer ça? On va tous le faire ensemble, hein. Écoutez non, bien. Non, parce que... non. Faire. C'est comme. C'est un effet vocal. Voilà. C'est très bizarre, hein. Tantôt, vous rentrez dans des salles, vous avez Bichente qui fait le petit chien, des trucs comme ça. Moi, je repars en me disant ça doit être normal. C'est la respiration. Aspic, chanter en français. Oui. Toi, tu n'es pas française. C'est ça. Je suis d'origine arménienne et je viens de Bruxelles. Et je parle plusieurs langues. Donc, au début, j'ai commencé avec l'anglais. Et c'est très présent, hein, quand on disait bon, on choisit une chanson en quelle langue, bon, on posait la question, on avait déjà la réponse, c'était l'anglais. Et là, qu'est-ce qui s'est passé avec justement cette matière première qui est notre langue? J'adore cette langue et c'est vrai qu'avec un petit accent, j'avais peur de chanter en français au début, mais avec le temps, je me suis dit non en fait. Et voilà, ça fait depuis
un an et demi que je chante en français et je compose en français. C'est notre pays, on adore les accents. Hein. Celui d'Alida particulièrement. Super. Bravo, bravo à merci. Vous quatre. Kill Bill, vous connaissez tous. César, Kill Bill. Ça, c'est le gros tube du moment. Vous êtes dans n'importe quel pays du monde. Vous allumez la radio, vous sélectionnez une playlist. Le titre est partout, tout le temps. On accueille Axel, Melia, Tizia et Yann Morgan. Y'all got me a therapist to tell me there's other men. I don't wanna, I just want you. If I can't have you, no one should. I might kill my ex. Not the best idea. Here's your girlfriend's next time. It's a lost cause. I get this in that you're a mean lover. But there's gonna be evidence. This sex is evidence. I try to rush and wait in the mud and the crime of passion. But then you is out of reach. You is at your farmer's market. Reach your perfect beach. Now I'm in a maze, man. Playing on my patience. Now you're laying face down. Got me singing over again. I'm so mature. Got me a therapist to tell me there's other men. I don't want none. I just want you. If I can have you, no. Axel, Melia, Tizia, Yann Morgan, approchez-vous, venez à moi. Alors, yes. On était là cet après-midi, vous avez répété hier, vous avez répété cet après-midi. Comment on imagine le rendez-vous avec le public? Il est pas mal ce public ce soir. Hein. Il est cool, il est tout sympathique. Est-ce que vous êtes amusé? Ça c'est très important. Quoi. Bon, ça va alors, ça va. Alors justement, tu t'y as pensé toute la journée en disant ce soir, j'ai quand même rendez-vous avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est surexcité? Après, on a des doutes. Moi, j'ai douté deux minutes avant de monter et je doute toujours, hein, pour tout te dire. Comment tu gères ça aujourd'hui? Je pense à m'amuser en fait. Et puis, je suis avec mes copains, mes copines et on s'éclate bien vraiment juste à s'amuser. Je vous vois vous transformer. C'est le cas de Melia. C'est incroyable. Applaudissez-la. Si ça fonctionne, ça marche. C'est bon, c'est juste moi qui... Melia, la première fois que Aziz l'a placée sur cette scène, elle dit « Mais non, mais il me demande de marcher. » Et donc, elle était un peu... C'est comme ça que ça marche. Et puis aujourd'hui, tu es totalement à l'aise. Tu t'es préparée. Tu chantes en anglais, tu adores ça. Donc, qu'est-ce que tu ressens là, maintenant, une fois que c'est fait? Franchement, ça va mieux. Quoi. Il y a le stress, il y a tout. Mais en même temps, c'est un bon stress, c'est quelque chose de super. Et puis, comme on est plusieurs et je suis avec mes collègues, donc forcément, on se soutient. Donc, je ne me sens pas seule. On s'épaule et... Mes collègues. Mes amis. Mais du coup, ouais, voilà, c'était super cool. Et je suis super contente de passer derrière mon piano et de pouvoir chanter des trucs comme ça devant tout le monde. Quoi. Alors, c'est vrai que quand cool. Tu chantes avec Axel et Yann Morgan, ils ont tellement d'énergie que ça doit être certainement contagieux. Ah oui, Axel, oui. C'est un peu notre Justin Timberlake. Donc, il danse tout le temps, ah ouais il chante. Bah ouais, c'est ça. C'est et donc, ces moments-là, sur cette chanson-là,
toi, tu t'éclates là. De ouf, de ouf. Après, voilà, ça bouge, donc évidemment, ça nous fait tous bouger. Et on veut faire bouger le public aussi. Donc, ouais, est-ce que faire bouger les gens, c'est quelque chose d'important pour toi ? De c'est ouf. La musique que t'aimes ? Est-ce que c'est, C'est transmettre avant tout des émotions et vraiment la vibe du morceau. Donc oui, de ouf. Et les chansons aussi calmes, piano-voix, sont très belles aussi pour transmettre d'autres émotions. Donc ouais, c'est cool. Bon, y en a un qui chante des trucs au piano-voix. C'est un peu surprenant. Un jour, j'arrive à l'école et j'entends du Mireille Mathieu, Femme amoureuse. Et c'était Yann Morgan. Tu vas nous le faire. T'es obligé. Ouais. Bah oui, allez. Mais moi, je l'ai ça, vous n'êtes pas obligé de poster, ne mettez pas l'hashtag Dalida Institute, mais profitez-en. Non, c'est très beau, vas-y. Ah, je le fais là ? Oui, bien sûr. Ah, mais ok. Vas-y, vas-y. Si un danger survenait, je l'éloignerais et je me défendrais. Merci beaucoup. J'essaye. Ce qui est génial, c'est que quand je vous dis qu'ils sont prêts, ils sont vraiment prêts. J'ai assisté à certains castings, vous étiez là tous les deux, parmi plein de gens, des dizaines et des dizaines d'artistes, et j'ai vu à quel point eux avaient travaillé et avaient appris beaucoup de ces semaines et ces mois ici. Et c'était la plus belle récompense pour moi et pour toutes celles et ceux qui travaillent tous les jours dans cette école avec vous. Vous savez que vous commencez déjà à nous manquer, mais partez pas tout de suite, hein. Merci, bravo à vous tous. Merci beaucoup. Bon, c'est quasiment la fin. Moi, j'ai pris goût, hein. Je vais me remettre à l'animation. Pas tout de suite, Emeric. Merci à Edith Preto pour cette belle playlist avec un goût incroyable. Et la dernière chanson, je pense que vous allez tous l'adorer. Si vous ne bougez pas, franchement, sortez tout de suite. Ninon, Victoire, Fanny, Ludivine, JC, Dancing Queen, Abba.
Victoire, Fanny, Ludivine, JC, Dancing Queen. Bon, là, ces filles-là ont vraiment marqué cette première promotion de l'école. Ce sourire, cette allure, ces sourires en permanence, des chansons joyeuses, des chansons plus intimes. Quelle année on est en train de vivre ensemble ? C'est incroyable. C'est sûrement la meilleure année de notre vie, pour nous toutes. C'est bientôt la fin, mais on est tellement heureuses. Alors Fanny, c'est bientôt la fin, puisqu'elle va réaliser un de ses rêves. Je crois que j'ai jamais entendu quelqu'un aimer autant l'univers de Disney et chanter aussi bien les chansons de Disney. La preuve, tout de suite, t'as vu, c'était pas prévu. Un petit refrain. Petite princesse. Vous verrez, ça marche. Ouais. Pas un petit refrain, mais je vous fais quelque chose. Alors, vas-y. Tous ces secrets que j'ai gardés, ne crois-tu pas que les fées m'ont comblé? Ne crois-tu pas que je suis bien trop gâtée par la vie? Wouh! Merci. Bah, je crois qu'il y a 2-3 personnes qui vont s'inscrire à... J'ai entendu. Au cursus comédie musicale, il y a des dossiers d'inscription, pas loin, il y a Marc, le patron de la boîte qui doit être là. Ninon, nous aussi on a vécu beaucoup de choses. Hein. Oui. Des chansons, de formidables chansons, elle écrit, elle compose, des chansons qui nous prennent là. Si vous avez assisté, on peut l'applaudir. Merci. Au Starté, des moments avec toi nous ont vraiment, vraiment marqués. On n'a pas envie que ça se termine et on va avoir la chance de pouvoir... Ben ouais. Mais sauf que tes chansons, elles vont rester avec nous puisque j'espère qu'elles sortiront rapidement. Alors c'est quoi le plan là, tout de suite après? Le plan, waouh. Grande question. Hein. Bah, j'écris, je compose. J'essaye en tout cas de préparer des titres pour pouvoir les mettre sur les plateformes, et etc. Mais ça prend du temps. Et les titres qui sont quasiment prêts? Oui, il y en a. Mais je suis un peu perfectionniste. Donc, Mais oui, c'est prévu. Il y en a une qui porte bien son prénom, c'est Victoire à côté. Parce que ça, c'est vraiment un choix de vie de venir ici. Tu faisais des études incroyables. Je ne sais pas si tes parents sont là. Peut-être, oui. Notamment à l'étranger. Et puis, tu t'es dit, non, ma vie, c'est la chanson, la musique. Et comme je suis de la région, et puis même si tu n'étais pas de la région, je pense que tu serais venu au Dalida Institute. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Bah, en fait, c'est tombé par hasard. Je suis tombée sur une pub Facebook du Dalida. Et j'étais à Paris à ce moment-là. Et je vois... audition demain à Paris, et je me suis dit ok, j'appelle, j'envoie une vidéo, il me rappelle, il me dit ok, tu viens demain, et du coup j'ai eu mon casting et j'ai appelé mes parents juste après, j'ai dit ok, j'arrête mes études à Montréal, je fais la musique. C'est simple comme un coup de fil. Ça paraît évident tout ça et... C'est les témoins mais... Et tout le monde est content? Tout le monde est très content, oh, j'espère. Julia, JC, toi la scène c'est vraiment ta maison? Bah, la scène, ça me fait vivre et je pense que ça me réveille en moi une flamme qui prend trop de temps à s'allumer, ouais, mais sur la scène, un briquet. Quoi. Tu en faisais beaucoup avant, tu commences déjà à penser à tes spectacles, à la scénographie, à ce que tu as envie d'avoir. Tu te projettes déjà? Je me projette déjà avec un groupe et des musiciens parce que la musique ne vit que par l'âme des gens qui la font vivre. Et sans eux, je rappelle qu'on est juste a cappella, ce qui est très beau, mais je vous demande de les applaudir. Ouais. S'il vous plaît. Merci pour eux. Quand elle rentre dans l'école, on la voit tout de suite. Et ce qui est passionnant avec toi, c'est cette envie de connaître tout du métier. Ce qui se passe sur scène, les chansons, comment on fabrique, comment on connaît un contrat, que se passe-t-il en promotion, dans une maison de disques? Ça t'intéresse vraiment, c'est d'avoir tous les rouages du métier. Exactement, parce qu'en fait, je ne suis pas entrée à la Dalida juste pour les cours de chant. C'était vraiment la MAO qui m'intéressait en premier lieu. Après, j'ai vu que justement, on allait voir tout ce qu'il y avait autour, qu'on allait rencontrer des producteurs, qu'on allait rencontrer des managers, qu'on allait rencontrer un tas de monde de l'industrie. Et c'est primordial en fait pour avancer dans ce métier. Et je voulais être la plus armée possible et cette école me le permettait, je pense. Et je le confirme.
Bravo, bravo à vous cinq. C'est quasiment la fin. Cette playlist était formidable. On a deux surprises. Il y a plein de rendez-vous qui vont arriver. Allez sur le site du Dalida Institute, sur nos réseaux sociaux. Partagez les posts de nos artistes. Ce qui est impressionnant pour nous qui avons commencé... On va vous remplacer l'année prochaine. Il faut que je vous le dise. Voilà. Et on a commencé les auditions et on s'est aperçu que des artistes commençaient à suivre nos artistes de plus en plus. Vous écrivez en direct. Ben, donc voilà, le métier est là, c'est parti pour vous. Et on est heureux que vous représentiez la première promotion du Dalida Institute. Merci Roberto. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont travaillé. Vous pouvez continuer à applaudir. Allez-y, allez-y. Soyez pas avares. Les coachs, on en a parlé beaucoup ce soir. Ils font un travail incroyable pour ces événements à l'école. Je remercie également les techniciens au son, à la lumière, Aziz. Nos musiciens, fabuleux musiciens, qui sont là avec nous depuis le début. Mes associés, mes partenaires, Aymeric, le directeur de l'école, et nos 50 artistes qui sont là, qui vous entendent. Ces applaudissements, ils sont pour eux. Rien à foutre d'être en cours, je préfère nager chelou en tant de victime. Avec moi et mes peines orphelines, laissez les gens parler dans le vent. Car laisse-moi là dans le flou, tu verras je peux faire de grandes choses avec mon spleen. Pas besoin de faire comme tous ceux qui se confondent, j'ai de l'or dans mon moleski. À l'enfer je ne serai pas celui qui se plie pour tant déplaire. Je serai celui hors des critères qui choisit son temps. À refaire, je serai plutôt celui qui se met en avant et fier. Ce qu'on n'a pas voulu faire de lui, qui s'est trop longtemps laissé taire. À tous les bizarres, les étranges, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les parias, les exclus, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Free, 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 free. As-tu vu mes écailles quand je nage dans les rues? As-tu vu mes écorces là qui protègent à mon insu? Vu scintiller mes balles contre les casse-toi tu plus. Moi je ne marche plus à l'ombre. Moi je ne marche plus à l'ombre. J'ai mis dans les magazines toutes mes tares qu'on se dise. Je compte encore m'en servir. Y'a le mettre dehors que ça brille. À tous les bizarres, les étranges, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les parias, les exclus, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Et merci à celui qui nous a accompagnés aujourd'hui et qui va venir, qui va monter sur scène.
veuillez accueillir Edith Preto. Merci pour cette playlist. Mais merci à vous, merci à eux, merci à tout le monde. C'était franchement fou. Et je suis ravi d'avoir entendu ça parce que c'est une folle détermination. J'ai chanté énormément de reprises, moi, quand j'ai commencé. Et je sais ce que c'est de chanter des reprises pendant toute une vie, au début. Et c'est très dur de s'approprier les chansons. Et vous l'avez fait avec brio, donc bravo à tout le monde. Bravo, bravo, bravo. Il y avait des chansons vraiment pas faciles, donc vraiment bravo. En fait, quand tu as préparé ta playlist, je vais les piéger ou tu... Mais pas du tout. Non, vraiment, j'ai mis les chansons que j'ai adorées de folie, tu vois. Et j'avais ça en tête, j'avais plein de chansons que j'aimais. Je me suis dit, j'ai envie d'entendre ça. Et donc, je me suis pas dit, ça va les piéger du tout. Merci, merci pour cette journée à l'école. C'était incroyable pour eux. Et pourtant, c'était magnifique. Merci bravo pour cette playlist. Bravo. Et bravo à vous tous. Bonne soirée. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les parias, les exclus sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Merci aux musiciens, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci à Aziz Baki, merci à la régie. Aziz Baki, tout le monde, Roberto, tout le monde, tous les coachs. Merci beaucoup. Les ingé-sons derrière. Les ingé-sons, tout le monde aussi. Musiciens aussi.